Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Vlogmas qui est le Vlogmas numéro 18 et nous sommes le lundi. Autant vous dire que c'est un dur retour à la réalité là puisque ben on retourne travailler puisqu'il faut bien. Après je me plains pas trop parce qu'au final je travaille jusqu'à vendredi et après je suis en vacances à nouveau pour Noël donc je suis contente. Oui, je porte encore mon pull Gryffondor, je sais, ça va vous paraître vraiment chelou là, vous allez vous dire que ça fait 4 jours que je le porte et tout. Mais j'ai des soupules en dessous et tout, du coup je vous assure il est pas sale, il sent pas mauvais tout ça. Alors du coup aujourd'hui nous sommes le 18, je vais ouvrir mon petit calendrier de l'avant Kinder. Ouais, cool. Attendez, j'essaie de le sortir. Tada, une petite barre de chocolat, parfait. Parfait, tout ce qu'il me fallait pour bien commencer la journée. Donc tout de suite les vlogmas vont être un petit peu moins passionnants. Non pas que ça l'était forcément beaucoup avant, mais ce sera un peu plus calme maintenant. La grande folie est passée, c'était toute une semaine très concentrée, mais là ça y est, c'est fini. Donc aujourd'hui on va surtout travailler avec Grégoire, voilà. Et puis ce soir on a un escape game dans le cadre de sa formation, donc ça va être cool, ça va être plutôt sympa, j'ai hâte. Et ensuite, et ben écoutez, voilà, c'est à peu près ce qui va se passer aujourd'hui. Autrement dit, pas grand chose, mais bon. Et du coup, samedi matin, on s'en va. On part chez mes parents. Avec la poupette. Qui est là-bas. Ivy. On a pas mal de trucs cette semaine quand même. Comme je disais, ce soir, on a l'escape game. Demain, j'ai ma soirée de Noël au travail. Mercredi, on a la soirée de Noël entre blogueurs, mais cette fois avec un blog, un apéro. Et après, jeudi, vendredi, on a rien. Je crois. Il me semble qu'on a rien. Et samedi on part. Genre j'arrive pas à me rendre compte que c'est Noël la semaine prochaine. Genre dans une semaine, comme maintenant c'est Noël. Vous vous rendez compte? Je me rends pas compte. Ça me fait vachement de volume mes cheveux comme ça. Je devrais le faire plus souvent. Mais bon, ça me les ruinerait aussi. Mais bon. Mais ouais, ça me fait grave de volume d'avoir des cheveux bouclés. Je me ferais faire une permanente. Bon allez, c'est pas que j'aimerais pas rester parler avec vous, mais il faut que j'aille travailler. Salut tout le monde, on s'est pas parlé aujourd'hui parce qu'en fait je suis parti tôt ce matin, enfin tôt, non pas tôt mais assez rapidement pour que je me lève et que je parte rapidement. Donc du coup on s'est pas vu, j'avais des trucs à faire et là il est 17h, donc voilà. Vous avez rien vu de notre journée, de toute façon il y avait rien à voir concrètement. Et là il faut que, alors le vlog d'hier, celui que vous avez vu du coup hier et que vous verrez aujourd'hui pour moi, c'est celui que je vais sortir maintenant. Je l'ai fait hier soir et en fait là je vais le checker et le mettre en ligne maintenant. Comme ça sera fait. Et j'ai encore plein de trucs à faire, notamment au niveau de mon entreprise, au niveau de... j'ai reçu une contravention, faut que je la paye. Enfin voilà, j'ai plusieurs trucs à faire. Escape game à 21h, donc on va manger avant. Et en fait, après le parc Harry Potter qu'on a fait, enfin le parc, les studios Harry Potter, on s'est rappelé qu'on avait commencé la série de films Harry Potter et qu'on s'était arrêté au 4. On les connaît par cœur de toute façon. Mais moi je m'en souviens plus à partir du 6. C'est-à-dire que jusqu'au 5, ça va. Le 4, j'avais pas trop aimé la coupe de feu en fait. Mais jusqu'au 5, l'Ordre du Phénix, c'était mon préféré. Du coup on va regarder l'Ordre du Phénix si on a le temps ce soir, et à mon avis on n'aura pas le temps, donc ça sera demain. Mais est-ce que vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire que genre après le 5, ben, j'ai aucun souvenir. Je me souviens vite fait du combat de Voldemort à la fin du 8, parce qu'il y en a 8 il me semble des films. À la fin du 8, le combat de Voldemort et puis là où Harry est tout bordel, le château qui se fait attaquer. Mais je me souviens, alors le 6 j'ai aucun souvenir, mais vraiment aucun. Le 6, la mort de Dumbledore, voilà. Vite fait, je sais même plus qui est-ce qui le tue, je crois que c'est Rogue, mais je suis même pas sûr. C'est tout ce que je me souviens, en fait. Je sais que dans le 7, c'est genre un épisode d'Arte, il y a que des paysages et ils se baladent pour chercher les Horcruxes. Mais je sais même plus lesquels ils trouvent, où ils les trouvent, ils sont dans une forêt à un moment, c'est tout ce que je me souviens. Et après, le 8, je me souviens juste vite fait du combat, à la fin. Et c'est bizarre, j'arrive pas à les retenir. Vraiment, c'est comme Agathe avec les Star Wars 4, 5, 6.
elle sait pas ce qui se passe dedans en fait. Elle sait globalement ce qui se passe, mais elle arrive pas à dire bah voilà, il se passe de ça à ça, de ça à ça, machin, dans les Star Wars. Alors je sais pas si ça vous fait ça parfois sur des séries de films, vous. Dites-le dans les commentaires, sinon je me sentirais un petit peu seul, en fait. Bon, et bien là, il y avait une pizza Domino's, raclette et des Buffalo Wings. Voilà, c'était très bon. Désolée qu'on n'ait pas filmé. Et on regarde le replay de Marié au premier regard parce qu'on l'a raté. Donc voilà, on se le regarde. Du coup, on était à Londres. Il y a Poupette qui dort sur son arbre à chat. Oh, ma poupette. Coucou, ma dame. On va pas tarder à partir à Escape Game, j'ai trop hâte de faire cette salle, vraiment trop hâte, j'espère que ce sera cool. Je me suis coupé le doigt avec le carton de la pizza. Voilà, voilà. Journée pas très passionnante aujourd'hui, hein, puisque bah, moi je travaille toute la journée, voilà. Et Grégoire a travaillé aussi, donc notre rythme de vie reprend son cours, tout simplement. Voilà, on est prêt pour partir à Escape Game. C'est parti, j'espère qu'on va réussir. Alors il est 23h30, nous venons de rentrer de l'Escape Game, c'était trop bien, franchement j'adore, j'ai trop kiffé. Et maintenant, bah écoutez, ça va plutôt se faire assez vite, c'est-à-dire que je vais aller prendre ma douche et je vais aller me coucher. Voilà, bonne nuit. Et Grégoire, je sais pas si tu vas faire quoi toi, hein. Tu peux te coucher aussi? Oui. Ok. Voilà, donc c'était pas le vlog de fou, hein, n'est-ce pas? C'était la folie. C'était un vlog un peu rapide, on va dire. Demain, j'ai mon Secret Santa avec mon entreprise. J'ai pas encore acheté les cadeaux. Une petite semaine, je pense, ça va être. Mais bon, c'est pas plus mal. J'ai mis une dernière fois mon pull Harry Potter avant de devoir le laver. Bah oui, ça fait quand même 5 jours que tu le portes. Bon, en tout cas, on espère que ce vlog vous aura plu quand même. Et puis, on vous dit à demain dans un prochain vlog. Ciao!